Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Flora. Alors pour vous, ça doit pas faire si longtemps que ça, quoique le dernier épisode est sorti il y a pas si longtemps que ça, après une pause de un mois environ. Et moi, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas tourné un épisode de Flora, donc voilà enfin le tournage de l'épisode de Flora. La dernière fois, c'était un petit peu le carnage, il y a eu un incendie, nos enfants et Flora elle-même sont au bout du rouleau. J'ai fait quelques modifications dans la maison, c'est vraiment minime, j'ai juste rajouté 2-3 trucs, vous allez voir. Donc on commence ça tout de suite. Ok, donc voilà, on est directement en jeu. Donc voilà les petites quelques modifications minimes. C'est juste que j'ai rajouté 3 lits en fait, tout simplement. Parce que comme ça, ça évite qu'ils fassent un roulement pour dormir dans la chambre de Flora. Et sinon, ça leur évite de dormir tout simplement sur le banc du parc. Donc voilà, au moins ils ont un petit lit chacun, on va dire. Parce que bon, ils sont quand même 4 et au final, il n'y en a que 3. Mais c'est pas grave, il y en a un qui dormira avec maman, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu le carnage. On avait déjà, c'est vrai qu'on avait fait grandir Milan et Néo, ok. Que la Miss, elle, je crois qu'elle va bientôt grandir, si je ne m'abuse. Oui, elle, elle est au niveau B, donc au final, je pense qu'elle va vite grandir, en fait, tout simplement. Lui, pardon, il va grandir, mais je crois que c'est un peu carnage, non? Je sais plus. Est-ce qu'il avait fait ses compétences? Ah ouais, non, réflexion, c'est pas du tout ça. Ok, bon, on va attaquer la réflexion avec lui. Pff, lui, c'est carnage, il a que mouvement, punaise, c'est la loose. Donc je pense que ouais, on va s'occuper de ça tout de suite et on peut mettre play. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Alors elle, ce serait bien qu'elle arrive à se doucher. Ok. Après, elle a envie de dormir. Bah écoute, ça tombe bien, j'ai mis des lits, tu pourras aller dormir juste après. Par contre, ça... What? On va prendre une douche, s'il te plaît. Voilà. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Oula, elle, elle est au bout du rouleau en fait. Ok, elle va prendre des restes. Et ça m'embête vraiment le truc de la douche là, ça m'énerve même. Après du coup tu vas aller dormir accessoirement. C'est pas trop grave pour l'hygiène. Ouais. Ok. Lui il a besoin de sommeil. Bah écoutez, comme ça il peut aller dormir dans un lit. Lui qu'est-ce qu'il a? Lui c'est quoi déjà qu'il faut lui faire la réflexion? Ah oui. Ah ok, c'est niveau 2. Ben, lui en soi c'est juste le divertissement, sinon ouais voilà. Alors il va apprendre, enseigner les formes, ou quoi que peut-être lui c'est plus les cartes du coup. Hop, carte de support visuel, enseigner les besoins de base, voilà. Déteste se réveiller, ok c'est pas très grave, lui il a envie de dormir etc. Bon c'est pas la mort non plus, ok. Alors Flora, en soi Flora elle va plutôt bien, ce serait bien qu'elle apprenne du coup à apprendre à Elio à aller sur le pot. Ok, est-ce que son frère peut lui apprendre ou pas là? Parce que j'aimerais bien qu'ils grandissent en fait. Vas-y, ça me gave quand ils font pas ce que je leur demande. Ça c'est bien un truc genre, oh mon dieu. Il était au niveau de l'énergie, il était bien. Et là du coup c'est un carnage. Vraiment ça me gave. Bah ouais, bah du coup tu peux dormir hein. C'est bien parce qu'au moins tout le monde met un petit peu la main à la pâte. Lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a juste besoin d'hygiène. Donc en soi, ça va. Après, il va aller dormir. Est-ce qu'il a fait ses devoirs? Oui. Lui aussi, il a fait ses devoirs. Non, il n'a pas fait ses devoirs. Alors, tu te réveilles tout de suite, mon pote. Hop. Et elle, elle a fait ses devoirs. Oui, c'est bon. T'as pas fait tes devoirs, là? Tu te fais de moi, là? Elle est tendue. Oui, bah écoute... Hein? Bon, je suppose que lui, s'il s'est levé, c'est que c'est bon. Oui, ça devrait aller. Donc Flora, ce serait bien qu'elle lui enseigne du coup les cartes de support visuel, là. Au moins, il est au niveau 2, là. Et après, en soi, il peut le faire tout seul. Mais bon, je pense que ça va quand même plus vite. Qu'est-ce qu'il a, lui? Lui, c'est juste ça. On va faire tes devoirs. Ok, il a déjà fini. Il peut faire du travail supplémentaire, donc il va le faire. Parce qu'en soi, eux... Faut simplement qu'il réussisse à avoir un A. Et après il va, je crois que c'est ça la réflexion. Ouais, bah il va faire tout seul je pense. J'ai l'impression qu'il apprend quand même moins vite. Je sais pas. Bon lui il a envie de dormir donc il va aller se recoucher. Elle, elle a faim donc elle peut prendre des restes. On est 4 jours dimanche. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle, elle est plutôt bien mais je pense qu'on va la laisser encore un peu dormir. Bon potentiellement ça va. Oh, bah lève-toi. En plus, pour ton premier jour de travail, où tu pourras potentiellement nous ramener de l'argent. Moi, je vais te le dire, mon pote, tu vas grave nous ramener des trucs. Atteindre le niveau 2 d'un compétent jardinage. Aïe. Oh, quoi? C'est devoir à 25. Mais il disait comme quoi il les avait fait, je crois. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, il leur fera. Ça, je vais jeter ici. C'est bien parce que du coup, eux, ils nous aident. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Parce que lui, sachez que lui, c'est le jumeau
normalement de Mia. Oui, c'est ça, c'est le jumeau de Mia. Sauf que Mia, bah, elle a réussi à grandir avant lui parce que bah, Mia, elle est trop forte, c'est tout. Parce que dans le dernier épisode, normalement, vous avez pu voir l'évolution de Mia, tout simplement. Ok, lui, bon, je vais laisser dormir au Mac, je pense. Elle a juste besoin de divertissement, donc je pense qu'à mon avis, elle va aller jouer, hop, là-bas. Parce qu'en soi, c'est bon. Elle, bon, ça devrait aller. Elle va aller prendre une douche. Néo a presque terminé la fantastique projet d'aménagement paysager lorsqu'il se rend compte qu'il lui manque de pétunia. Le projet a été une semaine, il a tenté d'aller rapidement chercher des fleurs, de venir au travail, c'est qu'il a... bah, il va improviser, parce que j'ai pas envie de payer 20 quelques dollars. Déjà que c'est un peu la loose. Ah, il a ramené un peu d'argent. Ça c'est bien en vrai qu'il ait ramené un petit peu d'argent. Enfin, c'est pas énorme, mais bon. D'ailleurs, lui fera plus jamais manger de sa vie. Parce que je crois que c'était lui qui nous avait cramé en plus la... Bah, la maison en fait. Tu peux aller te doucher s'il te plaît? Lui il a besoin de dormir, mais ah, niveau 3, il pourra vieillir. Donc je pense que Flora, elle va cuisiner un gâteau. Alors, touk 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 touk. Un gâteau au chocolat. Voilà, la spécialité de cette famille. Elle cuisine tout en gardant la main. What? D'accord. Du coup, elle a envie d'aller aux toilettes après. Donc elle va aux toilettes. Après, je pense qu'elle va s'amuser avec sa sœur. Quoique sa sœur, je pense qu'elle est rentrée là, non? Ah non, même pas. Hop, bah écoutez, elle va rentrer. Du coup, lui, on avait vu qu'il avait pas fait tous ses devoirs, lui. Voilà, mais il va les faire maintenant. Et hop, tu peux aller dormir, s'il te plaît. Qu'après, il va encore se plaindre. Oh, c'est trop mignon, ça. Comme quoi, elle a un délicieux truc, là. Elle va faire ses devoirs, elle aussi. Elle a pas fait ses devoirs. Oh là, tu vas faire tes devoirs avant. Ok. Là, on a le beau gâteau. Elle va ajouter des bougies d'anniversaire. Ajouter des bougies d'anniversaire. Et tu vas aider à souffler les bougies à Tao. Et Tao, on est d'accord qu'il a 3 de partout. Donc c'est bon. Hop, on le réveille. Et on va le faire vieillir. Oh, du coup, il me faut un lit en plus. C'est la galère. Oh non, non. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle avait pris le gâteau. Ok, c'est bon. Par contre, la Flora, elle va réparer. Hop, Tao vieillit. Et il sera amoureux de la musique. Donc il aime la musique. Et je pense que du coup, il va aller dans la créativité. Hop, et voilà. Ok, faut voir à quoi il ressemble, Tao. Oula, il a l'air grognon. Bon, je vais le modifier et on revient tout de suite. Ok, donc voilà la tenue quotidienne de Tao, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Ok, on est revenu directement en jeu. Alors lui, il est fatigué, mais je pense que déjà, il peut prendre un morceau de gâteau. Et après, il va aller dormir, se doucher, etc. Flora, ça va. Ok, lui, ça fait longtemps. Elio, bah Elio, il va bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Utiliser une couche. Bon, d'accord. Ok. Qui a abandonné son bouquin là? Lui, ce serait bien qu'il fasse du travail supplémentaire. Lui aussi, du coup. Elle ne peut pas en faire d'autres. Elle, est-ce qu'elle a fait? Oui, c'est bon. Elle peut manger son petit truc là si elle veut. Ok. Lui, il peut faire. Non, il est trop mal à l'aise, je comprends. Donc, il va aller dormir. Lui, il a fait son travail. Mais en fait, ils sont tous trop tendus que du coup, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Flora, t'es fatiguée? Ah ouais, ok. Une petite sieste alors et après, on commence. Quoique, en vrai, les frères, ils peuvent commencer. Hein. J'ai cru qu'ils pouvaient se prendre une douche tout seul. J'étais là en mode, ok. Par contre, ça me gaffe qu'ils se lèvent alors qu'ils sont même pas au maximum. Genre, dors, toi aussi, dors. Profite de dormir. Flora, elle, c'est bon. Elle va juste. Oh, il est cassé aussi le truc. J'ai vraiment hâte qu'on soit riche pour qu'on fasse juste clic, remplacer. Mais bon, on est loin d'y arriver. Mais c'est pas grave. Ce serait bien que... Qu'est-ce qu'il a lui? Bon, lui, c'est juste qu'il est sale. C'est pas très grave. Mais ce serait bien que du coup, on lui apprenne à aller sur le pot, par exemple. Enfin, qu'on s'occupe en fait de lui, tout simplement. Parce qu'au niveau des trucs à faire sur lui... parce que je crois qu'il l'aide pas beaucoup au niveau des compétences, ouais. Il est 1. Même au mouvement, il est 1. Ça, c'est... Franchement, je crois que la partie la plus longue, c'est vraiment celle-là. Où les bambins, ils doivent avoir une compétence. Genre 3 au niveau de la compétence à chaque fois. Encore les enfants et les ados, ça va. Parce qu'au final, ben... Genre, c'est tranquille, entre guillemets. Ils doivent juste avoir un A. Ok, il est au niveau 2 déjà. C'est déjà bien. Lui, il va bien ou pas?
En fait, lui, j'ai envie de le refaire cuisiner, mais j'ai trop peur qu'il me fasse encore cramer un truc, quoi. Après, c'est juste une casserole, comme ça devrait le faire. Après, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Lui en... Oh, il a réussi! Je suis fière de toi. Bah, t'aurais pu grave prendre une portion que ton frère il avait fait, mais bon, c'est pas grave. Elle a envie de dormir. Ok, bah, c'est bon, elle va dormir. Ah non, ok. Si, non, peut-être, oui, un jour. Ok. Lui, il a faim, mais il peut prendre des macaronis. En fait, ça m'embête parce que eux, ils mettent pas plus que ça en vrai. Je sais pas si là, tout de suite, on va refaire un enfant ou si on va pas s'occuper déjà de ceux-là. Parce que. Voilà. Léonie ne sait jamais ce qui rôde dans le noir. L'obscurité n'est pas. Oh, elle a peur du noir? D'accord. Bah, c'est pas grave, Léonie, ça arrive à tout le monde. Ah, mais Mia aussi? Ah non, Mia, non. Non, c'est juste qu'il y a un monstre sous le lit. Ok. Et bah hop, on va vaporiser. Qu'est-ce qu'il a, lui? Lui, il est juste sans chaud, il a envie d'aller dormir. Ok. Bah, il va dormir, écoute. Elle, bah, elle peut aller dormir. Mais oui, t'inquiète, tu peux aller dormir, ça va aller. Elle a tout sauf envie de dormir. Elle va prendre des restes et tout. Ce serait bien qu'on s'occupe du jardin. Je crois que c'était faire évoluer. C'était ça, faire évoluer. Ouais, faire évoluer. Faire évoluer. On peut pas faire évoluer n'importe quelle plante, j'ai l'impression. Bon, au moins, on en a 4. Enfin, 3 sur 5. Ok. C'est vrai qu'on les a oubliés, eux. Fendre du miel, ouais. On va récupérer la cire. On va vendre. Hop, ok. Elle est fatiguée et elle a faim. Je sais pas si elle va d'abord manger et après dormir. Ouais, non, on va d'abord dormir, ok. Lui, il est bien. Il peut faire potentiellement cette voie. Ah non, il les a déjà fait, ok. Il peut nettoyer. Ça, on peut le donner à notre petit frère après. Ah, on est déjà lundi! Ok! Prenez une douche. Bah écoute, prends une douche. Attends, hop. Lui, on va le réveiller. Elle va bouger là. Lui, il va prendre une douche. Elle, en soi, ça va. Bon, c'est pas oufissime au niveau de l'énergie, mais bon. De toute façon, à 8h, au moins, on a tout le monde qui bouge. Envoyer les élèves tout seuls. Tao est à l'école, sécher l'école, faut avoir. Bah non, il doit pas sécher. Non, il sèche pas. C'est quoi ça? Alors, réviser, réviser et réviser. Voilà. Tout le monde révise bien. À l'école, ils sont tous très assidus. Voilà. Comme ça, moi, je peux réveiller Flora. Elle peut nettoyer tout ça. Je pense que je vais mettre quand même fin. Je sais plus comment on met fin déjà à un séjour temporaire, ouais. Parce que là, il reste longtemps. Chiant. C'est un petit peu relou, en fait, qu'il reste aussi longtemps. Devoir inachevé. Avouer la vérité. Non, nous, on triche pas. Ok, alors. Hop, déjà je vais réveiller Bidule là. Et on va hop, apprendre à aller sur le pot. Il est encore tout nu. C'est bien parce qu'au moins quand les enfants vont à l'école, au moins je suis tranquille avec lui et je peux m'occuper de lui pleinement. Ça c'est bien ça. Moi je suis focus que sur une personne. Parce qu'en vrai de vrai, moi je sais que je joue tout le temps avec des codes triche, etc. Et là c'est super chaud de se dire que bah tout simplement là j'ai pas de code triche ni rien quoi. Ce serait bien au ouais, niveau de réflexion aussi, je sais que c'est un peu chaud à faire. Ah, mais peut y aller tout seul en fait, je suis bête. Flora, du coup, elle peut dormir au final, vu que lui peut s'occuper entre guillemets de lui tout seul. Oh, les factures. Ah, mais on a de quoi payer les factures pour une fois. Par contre, ce serait vraiment bien qu'une fois que lui. Je pense qu'on va. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va faire ça. Je pense que tous nos enfants vont aller. Enfin, être au moins. En primaire ou au lycée. Et une fois qu'on aura tout le monde, bah, je pense que du coup, on n'aura pas d'autres enfants tout de suite. Je pense on ira directement dans la boutique de fleurs essayer de vendre pour se faire un max d'argent. Parce qu'on a nos deux enfants là qui vont nous rapporter de l'argent après à l'école, là, à part enfin, directement après leur petit boulot. Il y a Léonie qui va pas tarder à grandir. Lui, on le fait grandir en primaire, comme ça, hop, ils vont tous à l'école, nous, on gère notre boutique, etc. On rentre vers 15h au moment où ils rentrent tous. Et voilà, comme ça, personne part en garderie et on les abandonne pas. Je pense que ça peut être un bon plan pour avoir un peu plus d'argent. Parce que malgré tous les tips que je fais, etc., nanana, tous les petits commentaires que je reçois de votre part, où j'essaye, je vous jure, j'essaye, bah, j'y arrive pas. Voilà, tout le monde a un projet scolaire. Ouais, là, niveau 3, super. Maintenant, il va déambuler. Je crois que Léonie s'était marqué note en hausse. Donc, on va aller voir ça tout de suite parce que si on peut la faire grandir, let's go. Ok, elle a A2 moyenne de ce qu'on peut voir. Du coup, on va lui faire un gâteau parce que je suppose qu'on n'a plus de gâteau. Mais est-ce que je vais dire à un de mes enfants de le faire? Ça, je ne sais pas. De toute façon, elle ici, elle est bien. Donc, on va faire ça tout de suite. Ok. Alors, cuisiner un petit gâteau. Oh, Léonie, elle va grandir. Je suis trop contente. Vraiment, en fait, je crois que je suis jamais été aussi contente de ma vie de faire grandir mes enfants. Enfin,
dans un jeu. Enfin, quand je suis à fond dans une de mes parties, si, en vrai. Alors, par contre, ils sont tous exténués. Donc, ouais, lui, il va aller dormir. En fait, je pense qu'ils vont tous dormir. Par contre, ça m'énerve, ils font des siestes et ils ne m'aident pas directement dormir. Hop, voilà, ils dorment tous. Ah, niveau 3, ouais, je suis trop fière de toi. Super. Du coup, lui, je vais juste ouvrir, lui mettre un truc. Attends, il peut pas manger au pire les bonbons, là. Ok. Comme ça, lui, il peut prendre une petite portion. Elle a toujours envie de dormir, donc en fait, tu vas dormir. Elle, par contre, elle va se réveiller, ajouter des bougies d'anniversaire. Après, tu vas faire pipi si tu veux. Et elle va souffler. Hop. Souffler les bougies. Trop bien, comme ça, elle va cacher avoir un travail. Et comme ça, on va en avoir plus d'argent. Wouh. Ça, je suis trop contente, par contre. Léonie, en plus, elle va être belle. Ok, et elle sera maladroite. Ok, Sancho est maladroite. Ok. Elle a un trait bonus également. Léonie a gagné un trait bonus. Découvrez ça dans les traits bonus dans le panneau Simologie. Ok. Estime de soi élevée. Ok, d'accord, super. Ben, en vrai, Léonie, je la vois bien. Peut-être dans la popularité, peut-être. Être une grande star. J'imagine même une célébrité de renommée mondiale, Léonie. Vraiment, je l'imagine trop. Ok, je la modifie et on revient tout de suite. Ok, voici à quoi ressemble Léonie en étant plus grande. Elle ressemble de ouf à sa maman. C'est incroyable. Donc voici sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Donc vraiment, on reste sur la panoplie rouge parce que ben déjà, on sait toujours très bien qu'elle aime le rouge. Donc voilà, elle est trop mignonne, je l'aime trop, elle est trop belle. Ok, donc nous avons notre petite Léonie qui est beaucoup plus grande. Alors, je pense que directement, on va lui prendre, hop, un petit boulot. Vraiment, je pense que nos premiers enfants, ça va être v'la carnage et tout parce que bah du coup, forcément, on n'a pas de thunes et il nous en faut. Donc, en vrai de vrai, je pense que ça va être carnage. Après, ce serait vraiment bien que dans le futur, pour nous et nos enfants, que vraiment on fasse quelque chose en fonction de, par exemple, là, Léonie, j'ai dit qu'elle serait trop heureuse d'être une superstar mondiale. Mais ça aurait été bien, du coup, que je lui prenne des cours de théâtre et pas forcément, bah, du coup, un job, quoi. Parce que, du coup, on peut pas allier les deux, mais bon. Bref, c'est pas grave. Je pense qu'elle peut faire employée de commerce. Ou peut-être, ouais, influence Sims, peut-être. J'ai vu qu'on pouvait faire ça. Et en plus, on gagne plutôt bien. Donc je pense de 21h à 23h, ça peut être bien. Ça match un peu avec sa personnalité. Alors, faire une évaluation de produits technologiques. Léonie doit-elle se lancer à accepter la mission? Ok. Et du coup, en gros, je dois faire quoi? Faire une évaluation technologique et la mettre en ligne. Est-ce qu'on peut le faire via notre téléphone ou pas? Parce que s'il faut en fait un ordinateur, là, je suis pas sûre de pouvoir le faire. Ah ouais, il faut un ordi. Ah oh. Bon, bah écoutez, on va trouver un autre job. Tant pis. On va trouver autre chose. Et au pire des cas, on refera ça plus tard. Donc bref, ok, là, elle a envie de dormir. Du coup, elle va aller dormir. Hop, voilà, lui. Lui, il pue juste, c'est tout. Du coup, en soi, il est bien là. Ce serait bien que, du coup, Flora lui apprenne les cartes, en fait, tout simplement, les cartes. Et après, la communication m'avait dit comme quoi il pouvait le faire via son nounours. Et que ça me fonctionnait plutôt bien. Ah, il y a l'imagination! J'avais oublié! C'est vrai! Ok, bon, c'est pas grave. Lui, il est plutôt bien. Donc, il va faire ses devoirs. Elle a un projet scolaire. Travailler soigneusement. Hop, elle va arrêter de dormir. De toute façon, elle est plutôt bien. Lui, il est plutôt bien aussi. Et il a aussi également, du coup, un travail scolaire. C'est quelque chose. Ils ont tous quelque chose, là. Incroyable. Lui, il a faim, il a envie d'aller aux toilettes et tout. Bah écoute, let's go pipi. Hop, petite portion. Mais est-ce que même t'as appris avec ta maman en fait? Je suis pas sûre. Hein. Il a acquis la compétence réflexion. Super, je suis fière. Lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il a fait ses devoirs? Non, il a pas fait ses devoirs. Il va faire des devoirs. Ah, mais lui aussi, il a un de travail scolaire. Ils en ont tous. Tu peux faire tes devoirs, s'il te plaît? Et lui, après, de toute façon, il a aussi un travail scolaire. Allez, hop, action, réaction. Ils ont tous quelque chose à faire. C'est un peu embêtant. Et là, il est en moyenne B. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a moyen que Néo, il grandisse. Mais lui, il y a moyen. Et lui, du coup, c'est bien parce que du coup, on pourra le faire upgrade en jeune adulte. Et je pense qu'on va le garder quand même un petit peu avec nous. Et comme ça, il nous ramène vraiment de l'argent. Mais voilà quoi, une bonne grande somme. Hop, ce serait bien que du coup tu lui apprennes également encore les cartes de support visuel s'il te plaît. Toutou, enseigner les cartes de support visuel.
Je sais, c'est relou, mais en fait, moi j'ai. En plus, je suis sûre qu'il dû grandir dans pas longtemps. Il grandit où? J'arrive pas à voir où est-ce qu'il grandit. Ah, il grandit là. Il a encore tout ça à prendre. Bah écoute, mon pote, on va charbonner, hein. Piquer une crise, mais on s'en fiche de ta crise là. Bon, j'avoue, il a envie d'aller dormir. Bon, la galère. Il a fini son truc lui? Non, non. Elle... Qu'est-ce qu'elle fait? Travaille soigneusement? Je pense qu'elle va l'aider. Comme ça ira plus vite. Après, elle va aider ici. Super. Après qu'elle ait fini, elle va aider là. Oh, mais c'est pas ouf ça. Qualité bonne, ouais. Bon, c'est pas grave, tant pis. Du coup, lui, il a juste faim. Donc en soi, prendre une portion. Et après, elle va aider pour le projet. Mais c'est pas ouf non plus. Moi, je voulais un truc de qualité excellente. Ok, bon, bref, c'est pas grave. Elle est bien. Elle a faim. Elle va prendre à manger. Lui, il a faim. Il va prendre une portion. Lui, il va bien. Donc, je pense que sa sœur va continuer à lui apprendre. Il peut aller au pot tout seul. Et après, elle va lui apprendre les cartes de support visuel. Non, pardon, c'est pas toi. Je suis désolée. Continue à faire ton petit dodo. C'est toujours une galère. Vraiment, je recommence sans cesse la même manipulation. Ok, donc lui, il a pas fait ses devoirs, donc il va faire ses devoirs. Lui, il a pas fait ses devoirs, donc il va faire ses devoirs. Elle, elle a pas fait ses devoirs, mais elle va les faire. Elle a pas fait ses devoirs, donc elle va faire. Lui, il a pas fait... Lui, il a fait ses devoirs. Et après, tu pourras aller te redormir. Il va faire du travail supplémentaire, comme ça on est sûr d'avoir une bonne note. Et après, il va redormir. Tu peux aller faire tes devoirs, s'il te plaît, parce que vraiment, ça me gave. Ok. Elle va lui apprendre du coup encore les cartes de support visuel. Après, elle augmente la communication. Bon, au final, c'est pas si bien. Enfin, pas si mal, pardon. Oula. Elle peut faire du travail supplémentaire. Ah, il a le niveau 2 de réflexion, c'est bien ça. Comme ça, elle pourra faire ça tout seul. Envoyer tous les élèves tout seul. Hop. Allez, en cours. Alors, travailler, 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 travailler. Qu'est-ce qui... Lui, c'est vraiment un petit glandouillard. Voilà. Elle, au final, elle est très très bien. Lui, bof. Est-ce qu'ils révisent tous très bien? Réviser, réviser. Ok. Lui, il apprend la réflexion du coup tout seul. C'est bien. Je suis fière de lui. Ce serait vraiment bien qu'on arrive à avoir au moins toutes ses compétences. En fait, j'ai l'impression ouais, que les cartes de support visuel, ça aide quand même plus. Ouais, ça aide plus. Bon, après, il va aller dormir, je pense. Après. Au niveau là, c'est vraiment la communication et l'imagination. Là, on est un petit peu dans la galère. Ah, faut qu'elle paye les factures. Payer les factures et prendre le courrier. C'est bien. Hop, 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 hop. Voilà, tout vendre. Ça nous a clairement remboursé à peu près le loyer. C'est déjà pas mal. Elle boit, elle mange. Eh, c'est bien, au moins elle est tranquille. Par contre, lui, ça va? Oui, ça va mieux. Bah, attends, pour l'instant, voilà, fais tes formes. Et maman, elle va cuisiner un truc. Ouais, des mini hamburgers végétariens, ouais, pourquoi pas. Comme ça, le temps qu'elle cuisine, lui, il peut faire son bidule, là. En vrai, j'aurais aimé être enceinte de... Enfin, j'aurais aimé que Mila soit enceinte de... Personne, entre guillemets, comment dire. Un peu classique cliché du jeu, quoi, mais bon. Écoutez, elle, elle va aller dormir en attendant. Comme ça, lui, il peut... Oh non, ils sont tous rentrés, déjà. Bon, au moins, j'ai vu des notes en hausse. C'est déjà pas mal. Lui, il a B de moyenne encore. Ok, bon, c'est pas grave. Lui, il a toujours B de moyenne également. C'est pas grave. Il va aller dormir. Elle, elle a toujours B de moyenne. C'est pas grave. Elle va pas aller dormir du coup. Elle a pas envie de dormir. Donc c'est déjà pas mal. Elle a envie de dormir, mais elle est en quoi? En B? Elle est en B de moyenne également. Ok, elle peut aller dormir. Et lui, il est en B de moyenne. C'est bien. Il peut aller dormir aussi. Ils peuvent tous aller dormir s'ils veulent. D'accord. C'est très très bien. Mais lui, il se lève. Il se lève pourquoi? Ah non, c'est bon en fait. Par contre, il va aller se doucher après. Elle peut... Elle a fait ses devoirs? Non, elle les fait là. Ok, c'est bien. Elle les a finis, mais ce serait bien qu'elle fasse du travail supplémentaire. Et après, ils vont travailler tous les deux avec son frère. Ok, nice. Et après, ce serait bien qu'il continue du coup les formes. Et après, qu'il joue pour l'imagination. Ok, bon, c'est vraiment le divertissement qui est pas oufissime avec eux. Mais sinon, ça va en soi. Lui, il est carnage. Hein. Travailler dur. Ouais, bientôt à la fin de la réflexion. Ok, nice. Je suis fière de toi. Il a pris la compétence imagination. Super. Elle, je pense que niveau dodo, ouais, elle est bien là. Elle va manger le mini hamburger. Elle a fini ses devoirs. Et en soi, c'est juste le divertissement, elle. Lui, par contre, c'est le dodo. Par contre, il a paumé ses devoirs. En fait, il a bugué. Il a paumé ses devoirs. Super, bah je vais devoir racheter des livres. Ok, lui, il va plutôt bien. Ce serait bien qu'il continue à jouer pour son imagination. Imagination.
Parce que là, on est au niveau 3 mouvement. On est au niveau 3 de réflexion. On est au niveau 3 du pot. Il manque communication et imagination. Je sais pas si j'arrête l'épisode maintenant ou si j'attends qu'il soit au niveau de toutes les compétences. On arrête au moment où il grandit. Après, là, j'ai l'impression que ça avance plutôt vite. Donc, je pense que... ouais. Alors, lui, il a fait tous ses devoirs. C'est bon. Il a envie d'aller faire pipi par contre. Elle a fait tous ses devoirs. Donc ça, c'est ok. Ils aiment mieux ses devoirs, elle. Écoutez, elle va faire ses devoirs, elle aussi. Lui, il va faire ses devoirs. Parce qu'il ne les a pas encore fait. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais ça me gave. Je crois que je vais leur acheter une petite télé ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est possible. Parce qu'au moins, ils peuvent se divertir, entre guillemets, en regardant la télé. Voilà, comme un plouc par terre. Au moins, elle peut regarder la télé et se divertir, là, parce que vraiment, ça me gave. Et lui aussi, hop, regarder la chaîne actuelle. C'est un truc de ouf, là, une télé, c'est révolutionnaire pour eux. Genre, vraiment. Lui, en fait, il va me mettre dans le caca parce que en gros... il va pas faire ses devoirs avant d'aller en cours et ça va me gaver. Et voilà. Bah, il a intérêt à les faire avant d'y aller. Hein. Je sais pas comment, mais il les fait. Hein. Il y a de la chance. Alors, réviser, réviser, réviser et réviser. Lui, c'est juste la communication. Du coup, après, on a fini avec lui. Et tant mieux. Alors, communication, c'est soit avec les cartes, soit en parlant à son bidule. Il va babiller, 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 babiller. Je crois qu'il y avait un truc, qu'est-ce que c'est, on s'en fiche. Hop, allez, hop, on parle, on parle, on parle. Mais là, du coup, ça augmente pas. J'ai pas l'impression que ça augmente la communication. Ah si, oh, waouh, déjà. Flora, je pense qu'elle va commencer à préparer le gâteau pour le petit. Comme ça, elle grandit. Et après, c'est bon, on les a tous fait grandir. Je suis trop contente. Et après, on fera, du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on attendra qu'ils aillent tous... ensuite à l'école, etc. Et voilà. Niveau 3 de communication. Wouh! C'est bon. Tout, 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 tout. J'ai trop contente. Par contre, Flora, elle a bugué. On va la réinitialiser. Hop, voilà, c'est pas très grave. On cuisine. On le fait grandir. Et c'est bon. Et après, on peut s'arrêter là pour cet épisode-ci. Parce que du coup, on aura fait grandir pas mal d'enfants. On les aura fait tous OK au niveau des compétences, etc. Je suis trop, trop contente. Et je pense qu'on va rester comme ça un petit moment, entre guillemets, dans le sens où on peut récupérer de l'argent, etc. Bon, là, ça va, on arrive un peu plus à avoir de l'argent régulièrement. Mais waouh, c'est quand même un marathon, hein, c'est sportif. Hein. Allez, hop, ouais, hop, ajouter des bougies d'anniversaire. Et on va aider à souffler les bougies à Elio. Je suis trop contente. Ok. Elio, d'ailleurs, c'est le fils de qui? Attendez, pause. Je sais plus, c'est le fils de qui déjà? De Don. Ok, d'accord. Ouais. Je suis vraiment trop contente. Et il sera bien élevé, ok. Je pense qu'il va être corps et esprit. Voilà, ok, et je vais le changer, et on s'arrêtera là pour cet épisode. Ok, du coup, voici Elio en tenue quotidienne, habillé de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, tant chaud et tant froid. D'ailleurs, j'avais oublié de rajouter des lunettes à Léonie, tout simplement, parce qu'elle en avait quand elle était petite, nourrisson, etc. Enfin bref, j'avais complètement zappé, donc voici à quoi elle ressemble avec ses petites lunettes, elle est trop belle. Et du coup, nous, on s'arrête ici pour cet épisode, il est assez long, et je pense qu'il y a eu quand même pas mal de choses, surtout beaucoup, beaucoup d'anniversaires, et je suis trop contente parce que du coup, au moins, tout le monde est grand. De toute façon, là, en soi, il nous reste qu'une place. Donc, je sais pas si... je pense qu'on va vraiment s'arrêter au fait qu'on attend qu'ils grandissent un peu tous. On attend qu'ils nous rapportent un peu d'argent. Ensuite, je pense que Flora va déménager. Parce que malgré tout, la maison est quand même assez petite. Peut-être qu'on va juste tout revendre, etc. Et voir pour une nouvelle maison. Et ce serait bien que du coup, ouais, on se concentre vraiment sur la boutique de fleurs. Du coup, vu que tous nos enfants sont grands et vont aller à l'école, au lycée et en école primaire, bah, au moins, on peut se concentrer full sur la boutique et avoir tout simplement plein de revenus. Donc je suis plutôt contente, il s'est passé quand même beaucoup de choses pour cet épisode. Donc nous on se retrouve pour un prochain épisode, donc je vous dis à la prochaine.